La solidarité s'organise partout pour aider les équipes médicales et paramédicales à s'acquitter de leur mission afin de contenir l'épidémie. C'est le cas de l'association des œuvres sociales, des sociétés de distribution de l'eau et de l'électricité. Elle offre ses locaux et ses divers équipements. Les détails tout de suite avec Hanan Arsalan et Nisril Hamdaoui. Cet hôtel du complexe des œuvres sociales des sociétés de distribution de l'eau et de l'électricité s'apprête à accueillir le personnel médical et paramédical œuvrant dans les structures de santé de la ville de Témara. Dans un élan de solidarité, l'association des œuvres sociales de cette association le met à la disposition du personnel soignant en première ligne du combat contre le Covid-19. Nous avons mis à la disposition du personnel médical l'hôtel se trouvant au sein du complexe social Ahmed Khalili à Témara, mais pas seulement. Ils auront également droit à un minibus qu'ils pourront utiliser dans leurs déplacements pour une durée illimitée. Nous sommes tous concernés en tant que Marocains par cette crise. Pour cela, nous nous sentons investis d'une mission, celle d'encourager l'ensemble de notre société à entreprendre des initiatives citoyennes. J'appelle également les citoyens à se conformer aux instructions des autorités locales en restant chez eux. Aussi, tout un matériel indispensable pour le travail du personnel de santé est mobilisé en cette période de crise sanitaire. C'est une action de donation de bottes pour le personnel de la santé qui exerce au niveau de la salle d'isolement pour être protégé. Et puis, c'est un don de solutions hydroalcooliques qui sont maintenant vraiment très importants pour nous parce qu'on n'arrive pas vraiment à trouver ces solutions. L'ensemble du staff médical que compte la ville de Témara est mobilisé dans ce combat contre le Covid-19. Nous remercions les acteurs de la société civile qui nous aident à nous acquitter de notre mission dans les meilleures conditions possibles. L'association des œuvres sociales des sociétés de distribution de l'eau et de l'électricité a mis à la disposition de l'ensemble des ressources médicales et paramédicales ces 8 complexes des œuvres sociales situés dans différentes régions du royaume.